Bonsoir. Les informations pour ce jeudi 16 mars. À compter de lundi prochain, l'aéroport international des Seychelles cessera ses activités à minuit et reprendra ses opérations à 5 heures du matin le lendemain. Cette annonce a été faite par l'autorité de l'aviation civile des Seychelles et ses partenaires lors d'une conférence de presse cet après-midi. La mesure d'une durée initiale de 3 mois vise à contrôler la présence des taxis à l'aéroport suite à des plaintes concernant le comportement de certains chauffeurs. Le directeur général de l'aviation de l'autorité de l'aviation civile a déclaré que la décision avait été prise en consultation avec l'association des chauffeurs de taxi. Le Conseil des ministres a hier approuvé que le ministère des Finances, de la Planification nationale et du Commerce entreprenne de nouvelles discussions avec le FMI et ce, afin de mettre en œuvre un nouveau mécanisme élargi de crédit et aussi pour arriver à un accord dans le cadre de la facilité pour la résilience et la durabilité pour soutenir les efforts de maintien de la stabilité macroéconomique et pour également faire avancer les programmes de réforme. La PUC se dit préoccupée par le nombre d'actes de vandalisme sur ses poteaux d'éclairage et ses boîtes électriques situées sur l'île Persévérance. La PUC m'a dit que c'est pour cette raison qu'elle est en train de demander aux personnes qui commettent de tels actes de vandalisme d'arrêter ces activités car elles sont dangereuses. Le chef des opérations de la PUC, Ravin Sunasi, a déclaré qu'en dehors des actes de vandalisme sur ses infrastructures, les câbles électriques que la PUC utilise pour alimenter certaines parties de Persévérance sont également coupés et volés. Les entités qui reçoivent une partie ou la totalité de leur budget du gouvernement jusqu'à l'année prochaine pour publier toutes les informations concernant leur fonctionnement et leur travail au sein du secteur public. La Commission de l'information a publié ses avis au journal officiel conformément à l'article 5 de la loi sur l'accès à l'information. La Commission encourage les organisations à utiliser les plateformes numériques disponibles dans le pays pour publier leurs informations. 3 diplomates, à savoir le haut-commissaire canadien pour les Seychelles, le haut-commissaire britannique adjoint auprès du pays, ainsi que le conseiller américain aux Seychelles, ont visité ce matin le centre régional des opérations basé à Bois-de-Rose. Le but principal de ce centre est de coordonner les exercices militaires dans la région en vue de lutter contre les crimes maritimes. L'exercice annuel, baptisé Cutlass Express, se poursuit encore aux Seychelles. L'objectif principal de cet exercice est de garder les garde-côtes des Seychelles à égalité aux méthodes les plus modernes de lutte contre les crimes en mer. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.